accompagné d'un ami qui va se présenter parce que le bonhomme fait du travail, fait un travail là, je peux dire qu'il s'annonce déjà. Bien bonjour, comment tu fais ça? Bien bonjour à tout le monde. Vous avez déjà présenté comme moi, Jojo Alvin, connu sous son nom d'artiste, d'artisan. Je suis un fervent défenseur de la tradition, voilà. Voilà. Donc, content de recevoir l'équipe qui sont en train de m'interroger. Et puis, à tout le monde. Voilà, la question qu'on a de poser, c'est juste pour te dire que nous sommes vraiment contents de. Nous sommes en admiration devant les yoles que tu présentes et miniatures, bien entendu. Et elles ont quelle dimension comme ça? Alors, en fait, je travaille en fonction de mai. Ma démarche, c'est plus retracer un petit peu l'historique de ce patrimoine. Et donc, quand je travaille en fonction de la demande, mais je fais la réplique de l'aïeul. Ah. De l'aïeul, je ne parle pas de yole de pouce, je parle de l'embarcation où les pêcheurs utilisaient pour nourrir les familles. Je suis ici d'une famille de pêcheurs. Ouais. Avant tout, je suis un fervent défenseur de la tradition. Et donc, je suis celui qui, bon, c'est quoi qu'il y a la pousse de yole. Grâce à la pousse de yole, notre embarcation traditionnelle n'a pas disparu. Voilà. Mais quand on regarde la pousse de yole, c'est un bout de chaîne. Oui. Personnellement, je suis un passionné, je suis charpentier de marine. Ouais. Aujourd'hui, on va dire charpentier de marine en miniature. Je suis l'un des ceux qui reproduit la yole d'hier et d'aujourd'hui. Et la pointe, on retrouve les différentes étapes de la fabrication dans tout ce que je fais. Et donc, je fais un défenseur pour dire qu'un yole, c'est ça. Souvent, nous avons un bagage qui casse seulement l'autre. Mais il y a un dit, nous ne passons pas bon, nous ne pas bon. C'est une façon de dire. Il y a imitation, mais je ne suis pas là pour détruire ce que font les autres, au contraire. Mais je suis, en fait, depuis 32 ans, j'ai fabriqué ma première yole et j'ai fait de ça mon métier. Mais je travaille plus sur le patrimoine. Après, je suis là, en quelque part, parce que la yole, son histoire, elle est vraiment née au François. Et c'est pour ça que j'ai toujours considéré que la yole, c'est le berceau. Le François, c'est le berceau de la yole. Et donc, pour moi, c'est tout à fait normal d'être là, à côté de la pousse de yole, en tout cas, sachant qu'il faut de tout. Mais il faut reconnaître que c'est un travail très minutieux. Ça demande beaucoup de temps. Combien de temps tu prends pour construire une petite yole comme ça? Alors, on prend en fait beaucoup plus de temps que la grande yole, parce que plus c'est petit, c'est comme les vêtements des bébés, hein. Ça prend plus de temps, c'est miniature. Ça fonctionne de la dimension. Mais il faut compter, par exemple, pour une yole de 105 cm que vous voyez là, il faut compter de 32 heures sur 6 jours. Franchement, il faut respecter les différentes étapes de la fabrication, les découpes, la forme, l'assemblage. Et ce sont des vraies yoles qui vont réaliser exactement avec les mêmes techniques, les mêmes éléments. C'est pas la yole d'aujourd'hui. La yole d'aujourd'hui, c'est comme la formule. Ce sont des embarcations de compétition. Ouais. Mais là, vous allez retrouver exactement tous les éléments qui consistent à dire ça c'est une yole typiquement traditionnelle et une yole, on peut dire, authentique. Est-ce qu'il t'arrive de faire automatiquement un test avant de la mettre en exécution? Alors, très bonne question, mais on retrouve mon travail, par exemple, à la baignoire de Joséphine, où j'ai fait des barres flottantes à 7+, sur catamaran, qui faisait des croisières. Et puis, j'ai eu l'occasion, en exposition, de faire une démonstration avec une yole de partenaire. C'était un défi de mettre la yole, c'était le coup de la soirée. Et on le trouve sur le net, la yole au milieu de la piscine, et tout le monde était. Et il y a du monde qui était revenu le lendemain pour voir la yole de la piscine, mais c'était un défi que j'avais lancé à Alex. Et on retrouve la photo sur le net la yole dans la piscine. Non, c'est une vraie yole. Oui. C'est une réplique. Elle flotte. C'est comme une bassine. Mais là, en principe, les charpentiers de marine, on connaît un petit peu tout le monde. Mais comme tu as vendu une marine, tu as eu l'occasion de rencontrer tous les charpentiers de marine expérimentés, peut-être Jean-Milagier.
Non, mais je peux dire que je suis de la génération de Jean-Marie. Jean-Marie, son histoire d'ailleurs, c'est une génération. Et puis la couche d'ailleurs. J'ai connu M. Michel Monger, M. Blaise Dumont, M. Osina, M. Appa, sans savoir qu'un jour j'allais toucher à la yole traditionnelle. Là, vous me parlez de yole de course, de compétition. Moi, je suis dans le global. Le patrimoine, la yole de pêche. Je suis ici d'une famille de pêcheurs. Je parle du patrimoine. Je ne parle pas de cette embarcation, mais j'aime la coupe d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est devenu un truc de communication à la limite. Bon, c'est bien pour le pays, mais moi, je suis celui qui travaille dans les écoles pour montrer, on ne peut pas dire à nos enfants, il y a une façon de montrer vraiment comment il est fabriqué. Et là, on retrouve tous les éléments avec les noms, les techniques. Eh bien, je vais te dire merci beaucoup pour les renseignements et si vraiment donné d'une manière positive. De toute façon, on est content, on est là et en face, je ne vois pas, mais de la manière dont j'imagine que c'est, je suis content. Alors, continue comme ça et en dire comme je voulais ajouter quelque chose. Oui, vas-y. Alors, le travail que vous voyez là, aujourd'hui, l'ailleurs, c'est un support de communication incontournable, d'accord? Alors, aujourd'hui, vous avez vu que c'est de l'événementiel, c'est l'art floral. Là, tout ce qu'on veut, le travail que vous voyez là. Et donc, si je continue à reproduire les yoles avec les vents, c'est que je n'ai rien apporté à cette embarcation. Et donc, c'est comme là, le truc de l'UNESCO, c'est immatériel. Tout ce qu'on peut créer autour de l'embarcation immatérielle. Et donc, moi, je suis artisan d'art et en étroite collaboration avec d'autres professionnels dans l'art floral, par exemple, on a créé un produit depuis 25 ans, et c'est ça que vous voyez là. Et c'est pour ça que des fois, je refuse les interviews parce que même nos médias parlent que d'ailleurs de bouche alors qu'il y a tellement de choses qui se font autour de l'ailleurs. Parce qu'après le coup d'ailleurs, on tombe dans un coma, il n'y a plus rien dans l'ailleurs. Mais tandis que moi, pendant toute l'année, on véhicule vraiment les arts, l'ailleurs dans tous ses sens. Voilà, que ce soit dans les écoles, mais là même, quand on a touché à l'ailleurs, voilà, c'est pour ça que l'ailleurs, c'est vraiment. En dehors de la construction, c'est un support de communication. La preuve, c'est nous, là, je dis, à pas échanger, c'est parce qu'il faut que nous rencontrons. Voilà. Dernier bail, on va constater un dernier mot. J'arrive, on va constater que il y a la fleurie. Donc, il y a l'eau fleur à l'œil, alors, c'est pourquoi. Eh bien, tout simplement, alors on parle de fleurs des Caraïbes, fleurs Martinique, l'eau fleur, mais la gueule, quand on regarde, bon, à la limite, la gueule de bouche, je dis, peut-être. Mais donc, ce palais de couleurs là, pour moi, c'est la plus belle fleur qu'on peut savoir. C'est ce support là, support yole, où on fait des décorations, mais ça représente encore la plus belle fleur qu'on a ici. L'idée de valoriser avec la fleur, c'est parce que ce palais de couleurs, comme les fleurs, c'est là. Eh bien, encore, merci beaucoup. Rappelle-nous encore ton nom. Eh bien, c'est Jojo Harville. Le nom professionnel, c'est Agiol et Fleuristé. Voilà. Agiol, Fleuristé. Nous sommes là. Ouais. Ok. Eh bien, vraiment, merci encore. Mais tu es aussi cher aussi, je donne dans la. Alors, c'est moi, les deux, c'est cher, c'est Franciscain, cher, Franciscain, bonsoir, Franciscain, cher. Nous sommes dans le monde de l'entreprise. Alors, les deux entreprises sont dans les deux communes. Les communes. Et bien, continuez à nous vivre des bons moments. À vous aussi, et puis en tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci.